DNA spoiler, George est-il vraiment le nouvel allié de Vanessa sur TF1? Dans les prochains de Demain nous appartient, prévu du 5 au 9 juin 2023, Vanessa Lehmann persistera à échapper à la police, trouvant une alliée en la personne de George. Parallèlement, Aurore vivra un drame diffusé sur TF1. Durant la semaine du 5 au 9 juin 2023, les téléspectateurs de Demain nous appartient assisteront à la fuite de Vanessa Lehmann. Alors qu'elle était sur le point d'être transférée de l'hôpital à la prison pour la reprise de son procès, elle a agressé le policier en charge de sa surveillance dans le fourgon, avant de disparaître sans laisser de traces. L'évasion de Vanessa ne manquera pas de provoquer une grande agitation parmi les habitants de Sète, étant donné que son procès était au centre de toutes les conversations. La police se lancera dans une recherche effrénée, tandis que la meurtrière prendra la fuite sur l'autoroute à bord d'une voiture de sport, ayant pris en otage un policier qui conduisait le fourgon. La possibilité que ce policier soit complice de Vanessa Lehmann semble toutefois peu probable, étant donné qu'elle a déjà fait chanter Soizic et Sébastien, Xavier Deluc, en menaçant leurs enfants. Aurore entreprend donc une enquête pour démasquer ce mystérieux complice. Il ne fait aucun doute que Barr et les proches des autres victimes de la tueuse seront désespérés en apprenant la nouvelle de son évasion. Vanessa, cherchant désespérément de l'aide, parvient à entrer en contact avec un potentiel allié, qui pourrait être George. Connu pour avoir toujours des sentiments pour son ex, le policier pourrait succomber à la tentation de l'aider dans sa fuite, mais il disparaît mystérieusement. Peu après, un corps est découvert dans les marécages, possiblement celui du policier pris en otage par Vanessa. Dans Demain nous appartient, Diego commence à retrouver des souvenirs. Alors que Luna fait son retour à Sète, elle se laisse séduire par le charme de Nathan et ils entament rapidement une relation. En revanche, la relation entre Gabriel et Nord se complique de plus en plus, Gabriel ayant du mal à accepter les mensonges de Nord, qui a passé une nuit à l'hôtel avec quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que Diego retrouve des fragments de sa mémoire, il met au jour des secrets enfouis concernant la famille Delcourt. Pendant ce temps, un intrus est découvert chez lui, ce qui pousse Sylvain à chercher un logement pour Tristan. Malheureusement, l'anniversaire d'Aurore tourne au cauchemar lorsqu'elle disparaît brusquement, plongeant tous ses proches dans l'inquiétude.